sommes dans cette série très passionnante qui parle du soleil. C'est une série de vidéos qui va donner plus de précision, plus de détails, plus d'informations sur le soleil, notre astre brillant qui brille ou qui éclaire la Terre depuis des millions d'années. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très passionnant. Il s'agit en fait de parler des différentes couches du soleil et les compositions. On sait que la Terre a différentes couches. Il y a la lithosphère, il y a la croûte terrestre, etc. Il y a le manteau terrestre aussi et il y a le noyau. Ça, c'est pour la Terre. Maintenant, pour le soleil, on a aussi, bien sûr, des différentes couches avec des températures vraiment très, très chaudes. Aujourd'hui, nous allons voir ces différentes couches et nous allons associer à ces couches des températures pour voir à quel point le soleil est chaud. Si vous êtes prêts, on y va. Les couches du soleil se réfèrent à différentes zones de son atmosphère externe, chacune ayant ses propres caractéristiques de température et de composition. Donc, voici les principales couches du soleil ainsi que leur température associée. On y va. On va commencer déjà par la photosphère. Qu'est-ce que c'est? La photosphère est la couche la plus externe visible du soleil. Sa température moyenne est d'environ 5500 degrés Celsius. Ça fait environ 9932 degrés Fahrenheit. Vous imaginez 5500 degrés Celsius. C'est vraiment chaud. Faut surtout pas toucher. C'est dans cette couche que la lumière solaire est émise, ce qui nous permet de voir le soleil tel que nous le percevons depuis la Terre. On va passer maintenant à la deuxième couche. On y va. On va parler de la chromosphère. Qu'est-ce que c'est? On explique. Au-dessus de la photosphère se trouve la chromosphère, une couche plus fine et moins dense. Sa température varie généralement entre 4000 et 8000 degrés Celsius. Waouh, c'est vraiment chaud. La chromosphère émet une lumière rougeâtre visible pendant les éclipses solaires totales. On va parler maintenant de la couronne. Oui, le soleil a une couronne, oui, même si c'est pas la couronne d'une reine, mais quand même c'est la couronne d'une reine. Ouais. Bon, enfin bref, allons-y. Le soleil, une couronne. La couronne est la couche la plus externe et la plus étendue de l'atmosphère solaire. Sa température est étonnamment élevée, je vous le dis. Elle atteint des millions de degrés Celsius. Vous entendez ça? Des millions de degrés Celsius. Plus de 3 millions de degrés Fahrenheit environ. La température élevée de la couronne sont encore un mystère pour les scientifiques car elles sont beaucoup plus chaudes que celles de la photosphère située en dessous. Donc vous vous rendez compte un peu? La réaction nucléaire se passe à l'intérieur du soleil. Mais la couronne du soleil, elle qui est plus éloignée du noyau, est plus chaud même que les couches qui sont plus proches du noyau. Mystère, non? Ouais, mystère. La couronne est plus chaude que la photosphère ou même la chromosphère. Mystère. Ça reste donc un mystère pour nous, n'est-ce pas? Allez, on y va. Donc, voilà ce qu'on peut retenir un peu sur le soleil. Et il faut mentionner aussi que les températures qui sont données ici varient selon les conditions du soleil. On va parler ici des conditions temporaires et aussi des régions spécifiques. Portez-vous bien. Faites le plein de savoir. Peace out.